Bonjour et bienvenue sur 24 minutes chrono. Donc aujourd'hui je continue ce que j'avais prévu dans l'hebdo et comme vous le voyez ici, on va parler de cette association ici. Astral Academy héberge des joueurs et des streamers à dimension e-sport. Essayons d'avoir une communauté qui se parlent et qui progressent ensemble sans oublier effectivement le monde qui est autour, le monde e-sport qui est autour, les autres joueurs. Et c'est un petit peu le but. Alors je mettrai, je pense, une description. Pour le moment, sur Astral Academy, j'ai pour fonction, à l'intérieur de cette association, de proposer différents types de diffusion pour les streamers. Sachant que, effectivement, quand je dis streamer, j'essaie de partager aussi avec les joueurs d'Astral Academy et d'y inviter également des joueurs et des gamers, des coachs qui sont de l'extérieur et qui souhaiteraient intervenir de façon cordiale. Voilà. Donc, qu'est-ce que je compte proposer dans Astral Academy au niveau de l'Astral Streaming, tel qu'il est dit? Je souhaite partager des diffusions assez distinctes. Pour ce faire, j'ai élaboré ce que j'appelle des formules. Je ne vous dévoilerai pas tout dans cette vidéo parce que j'essaye de faire en sorte de garder un petit peu de surprise à l'avenir, que tout ne soit pas forcément dévoilé. Mais je commencerai par dire que, effectivement, ce que j'ai commencé un petit peu sur ma chaîne déjà, et que je compte rendre possible sur Astral Academy, c'est l'information. Comme là, par exemple, la semaine dernière, j'ai fait l'hebdo d'une demi-heure. J'ai aussi la possibilité de faire de l'extra-information. Ça sera certainement quand ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, ou alors parce qu'il y a un sujet qui mérite d'être parlé de façon beaucoup plus étendue. Donc ça sera une information entre 1 et 3 heures. Mais là, par exemple, j'ai décidé aujourd'hui de faire une quotidienne. Ça veut dire que sujet fini ou pas fini, au bout de 10 minutes de diffusion, je m'arrêterai là sur ce sujet et je recommencerai demain. C'est ce qu'on peut appeler une quotidienne et ça évite de surcharger de quelque chose qui n'a pas besoin de l'être. Donc ça, c'est la démarche information, sachant que comme je souhaite le faire comprendre aux streamers de Astral, il suffit seulement de demander à faire une quotidienne, une hebdo ou un extra. Pas forcément obligé d'attendre que ce soit moi qui le fasse. Vous pouvez très bien le faire. Il n'y a aucun souci qui me permettra de ne pas le faire. Ça me fera gagner du temps. Même si il y a des fois j'aimerais bien quand même en faire quelques-unes. Hein. Il y a des choses que j'aimerais dire. Autre chose, si ce n'est pas obligé pour les streamers de le faire sur Astral. Dans le sens où les streamers ont déjà leur chaîne et les recondenser pour Astral pour les mettre du coup en flux sur la chaîne d'Astral et bien sûr avec votre accord, mais je pense que quand on s'associe avec Astral et qu'on dit je veux faire une quotidienne et tout ça pour Astral, même si c'est sur sa chaîne, je pense qu'on peut accorder à Astral de les diffuser. C'est un sujet éventuellement sur lequel on peut en discuter en réunion. Ensuite, j'avais une autre possibilité qui était la formule gala. Alors, j'ai la dernière formule sous les yeux, mais je vais pas en parler tout de suite. Donc, on va parler de la formule gala. La formule gala, c'est une formule qui permet de partager une partie e-sport sur un jeu e-sport. Et d'y jouer de façon conséquente avec au minimum 5 joueurs ou 5 personnes dans le vocal.
Le but étant que pendant la partie, il puisse y avoir un échange vocal, sachant que les joueurs qui participent au jeu ne sont pas obligés pendant leur partie, je dis bien pendant leur partie, d'être dans le vocal. Ils seront comptés dedans, mais ils pourront quand même se concentrer sur ce qu'ils font. D'ailleurs, c'est ce que je recommande d'ailleurs quand vous jouez, c'est de vous concentrer sur ce que vous faites. Ça paraît un petit peu plus professionnel que de parler en jouant. Mais ceci dit, entre les parties, je demande quand même aux joueurs de se reconnecter au vocal pour que, effectivement, pendant le stream, les gens puissent vous parler et que vous puissiez éventuellement échanger des idées ou un ressenti, ou enfin bref, etc. Dans la rubrique Gala, je compte développer différents types. Alors, certains types, je vais les dévoiler dans le reste des quotidiennes. Mais là, j'en ai trois. Une qui durera 3 heures, que j'appelle la Gala Soft. Une qui durera 6 heures, qui sera la Gala Hardcore. Et enfin, la Gala Extrême, qui durera 24 heures. Donc, c'est un 24 heures. Et bien sûr, cela sera à mettre en relief en fonction de ce à quoi elles vont servir et du jeu auquel vous allez jouer. Il sera effectivement regardé avant de faire le stream s'il s'agit d'un jeu où les parties sont longues, comme League of Legends par exemple, ou comme Call of Duty où les matchs sont plutôt courts. Donc effectivement, on ira plutôt sur du 3 heures soft. Du Gala Soft, ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Et pour l'extrême, j'ai un projet dont je vais vous parler un petit peu plus tard qui pourra permettre aussi de combiner e-sport et 24 heures. Comme je vous l'ai dit, j'en parlerai beaucoup plus la prochaine fois, je pense. Et enfin, nous allons passer à la formule cocooning. La formule cocooning est un petit peu plus libre et qui a pour fonction, pour idée d'être beaucoup plus relaxante à la fois pour le joueur mais aussi pour le viewer. Le but étant que il peut être tout seul ou être avec un ami ou une autre personne pour jouer, soit d'astral ou extérieur. Le but étant qu'il s'amuse sur le jeu qu'il veut, pendant le temps qu'il veut. Cela sera diffusé en direct et ensuite, une fois que le stream sera passé, son stream sera recondensé pour garder les meilleurs moments de son stream et en faire des petits épisodes de 1 à 2 heures. Donc forcément, s'il a fait une demi-heure de stream, on va pas se faire une heure d'épisode, hein, mais s'il a fait un petit peu plus d'une heure, on se fera plusieurs petits épisodes qu'on rediffusera un petit peu plus tard et recondenser, histoire que ça soit agréable à regarder pour le viewer. Donc voilà les trois formules. Ces trois formules sont, à mon sens, essentielles pour bien démarrer sur Astral Stream. L'autre chose, c'est que il sera demandé également d'avoir une réflexion sur son propre comportement avec le fonctionnement d'une association telle que Astral Academy. C'est-à-dire qu'il va falloir faire attention à ce que l'on dit, respecter les autres, être fair-play, etc., etc. Et entre autres, si jamais il y a des comportements qui ont choqué le spectateur, bien entendu le signaler. Et d'autre part, le spectateur faut aussi qu'il respecte aussi le streamer, le joueur aussi, hein, parce que c'est important de le faire, donc ça va dans les deux sens. Mais dans le cadre où effectivement un joueur aurait manqué, il va de soi que ça nous permettra de le coacher pour faire en sorte qu'il s'améliore de ce côté-là. Chaque joueur est humain et chaque joueur a ses défauts, qu'il peut éventuellement poncer un petit peu pour s'améliorer. Après, il faut accepter les gens comme ils sont aussi, hein. Des fois c'est compliqué. Voilà. Eh bien, je suis rendu à 12 minutes et je pense ne pas avoir fait beaucoup de blanc. Et donc, je continuerai mon propos demain.
sur Astral Academy. Je vous passerai du coup le lien et j'en profite vu qu'on est jeudi et qu'il n'est pas encore trop tard, qu'il y a une pub actuellement qui est intéressante pour Astral Academy, qui est l'Astral Cup League of Legends, qui aura lieu le 20 mars, c'est-à-dire samedi, à partir de 14 h. Vous pouvez aller vous y inscrire pour compléter du coup le nombre de participants. Je vous y encourage vivement. Et d'y aller du coup en équipe. Hein. S'il y a des équipes qui osent regarder ce stream, eh bien allez sur l'inscription Astral Academy pour vous y inscrire. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et bah, du coup je l'espère à demain.